Bonjour et bienvenue mes belles âmes pour la pause café d'aujourd'hui avec l'oracle des artisans de lumière. Et la carte qui est sautée est l'ancrage. Vous aspirez au monde libre et ouvert de l'esprit et de la lumière, mais vous aspirez également à connaître le pouvoir guérisseur et la joie divine du son sacré et de la couleur vivante. Vous êtes fait pour apporter la joie, la beauté et le réconfort dans ce monde, pour partager la lumière spirituelle. Pour ce faire, vous avez besoin d'être ancré. Vos rêves vous veulent autant que vous les voulez. L'ancrage vous permet de faire vivre vos rêves dans votre monde pour le plus grand bien de beaucoup. Lorsqu'une guidance supérieure vous rappelle de vous ancrer, c'est un encouragement bienveillant et jamais un jugement. Pensez à vous ancrer et la version spirituelle de « N'oubliez pas de téléphoner à votre maman ». C'est l'occasion de vérifier ce qui se passe dans votre vie physique et de vous assurer que vous consacrez assez de temps et d'énergie à ce qui compte vraiment pour votre petit cœur. C'est l'occasion d'apprécier la beauté du monde naturel et l'amour au sein de vos relations. C'est l'occasion de vous assurer que votre œuvre spirituelle trouve sa place dans votre vie de manière qui vous font du bien. C'est l'occasion de formuler vos prières plutôt que de vous contenter de les penser. Vous pouvez même les danser ou les chanter du plus profond de votre cœur ou créer un bouquet de fleurs multicolores pour votre autel. Nous recevons le conseil de nous ancrer lorsque nous avons reçu un plus grand afflux de lumière à la tête. Cela peut se produire lorsque nous méditons, que nous prions ou que nous sommes en connexion consciente avec l'esprit. Vous fourmillez peut-être d'idées et d'inspirations, mais n'arrivez pas à les exprimer dans la pratique. Vous pouvez même vous sentir congestionné ou tendu dans des parties de votre corps où l'énergie a du mal à circuler par elle-même. C'est le signe que vous devez bouger de manière à avoir une sensation de liberté, une sensation de libération, de raffermissement et d'expression, et ajouter dans votre style de vie un peu de relaxation et d'exercice bon pour la santé afin de permettre à la guérison de faire son chemin. Ainsi, la lumière peut circuler dans votre corps tout entier, ce qui vous apportera de la vitalité et vous aidera à traduire vos idées dans la réalité qui est la vôtre. Pour ce faire, prenez soin de votre corps. Pensez à bien vous hydrater et à vous reposer. Passez du temps dans la nature. Prenez des bains de sel pour nettoyer votre énergie. Consommez des aliments qui vous fortifient et vous nourrissent. Ancrez-vous en vous libérant de vos émotions si vous avez tendance soit à passer d'un extrême à l'autre, soit à vous renfermer dans votre tête pour analyser plutôt que de vous exprimer. Vous pouvez
Ancrez votre énergie émotionnelle en écrivant un journal ou en vous abandonnant à un art créatif, poésie, musique, danse, pour exprimer vos sentiments. Vous pouvez également le faire en faisant de l'exercice physique ou en étant dans la nature. Entraînez-vous à vous apaiser et à vous calmer de façon à pouvoir retourner à un état d'esprit satisfait, confiant et serein. Par exemple, parlez-vous d'une voix douce, bienveillante, encourageante, en vous rassurant sur le fait que tout se déroule selon un plan supérieur et que vous êtes très aimé. Vous pouvez aussi faire des méditations et des exercices de relaxation guidée, s'ils vous aident à vous sentir connecté, serein et aimé. Choisissez ce qui marche pour vous. Vous saurez quand vous serez ancré parce que vous vous sentirez très connecté à votre corps. Conscient de vos émotions et purifié, énergisé et présent avec un sentiment de bien-être. Si vous ne vous sentez pas ainsi, cet oracle vous dit que vous pouvez votre énergie et votre bien-être peuvent être améliorés et vous pouvez vous sentir bien à propos de qui vous êtes et comment vous choisissez de vivre votre vie. Vous ancrer vous aidera et aidera également l'univers à vous aider. Alors l'invocation pour cette journée, je fais appel à l'esprit bienveillant de la divine entité et à mon propre esprit, s'il vous plaît, aidez-moi maintenant par l'amour inconditionnel et la miséricorde divine à ancrer tous les niveaux de mon être de sorte que je puisse vivre maintenant ma destinée supérieure, bienveillante et joyeuse. J'aime être présent ici et maintenant avec mon corps et mon souffle. Recevoir la lumière spirituelle et la faire briller dans le monde à travers mon cœur. J'aime mon corps et me sens et mes sens, mon âme et mon petit cœur. Ce sont tous des moyens que peut utiliser mon esprit pour explorer et communiquer dans ce monde le plus grand bien. Que tous les êtres vivants ressentent l'utilité d'être ancrés grâce à l'amour inconditionnel pour le plus grand bien. Par ma propre volonté et qu'il en soit ainsi. Belle journée et prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse.